Bonjour à tous, petite pause entre Evil Within et WWE 2K18, on va se faire un petit peu de man. Dans les nouveautés, ce mois-ci, un défi épouvantail au Colorado. Voici les défis qu'on a à réaliser. Petit remède, maison, assassiner deux cibles avec une seringue mortelle, déguisée en épouvantail, l'assassinat doit avoir des témoins, votre déguisement doit être compromis à chaque fois. Faites en sorte de ne plus être compromis après chaque assassinat sans changer de déguisement. Là déjà tout de suite il y a une situation qui paraît pas très claire. Ensuite, sacré sapleur, assassiner une cible avec un lancer de hache déguisé en épouvantail. L'assassinat doit avoir des témoins, votre déguisement doit être compromis. Faites en sorte de ne plus être compromis sans changer de déguisement. C'est la même. Ensuite, la naissance de l'épouvantail, déguisez-vous en épouvantail, ça, y a pas de souci. Le roi de la récolte, terminez tous les défis épouvantail, d'accord. Et sans savoir s'enflammer, assassiner trois cibles en les brûlant, déguisé en épouvantail, l'assassinat doit avoir des témoins. Votre déguisement doit être compromis à chaque fois. Faites en sorte de ne plus être compromis après chaque assassinat sans changer de déguisement. Pour réaliser ces défis, on va se créer un voire plusieurs contrats, donc direction le Colorado. On va commencer directement là où on va vouloir éliminer une cible, pas de la serre, c'est parti. Ces têtes là, ils fonctionnent par binôme. On pourra toujours faire des assassinats. Et à chaque fois, chacun voit l'assassinat de l'autre. Voilà. Et on s'en va. Voilà pour la création du contrat. Ensuite, on va dans la section mes contrats. On choisit le petit dernier. Nos 4 cibles. On va commencer avec des seringues. On va essayer de réaliser 2 défis en un. Celui où il faut faire les empoisonnements et celui de la hache. Par contre, là, le point d'entrée, on va se rapprocher de la hache. Et d'ailleurs, la seule hache de cette map. Première étape, aller chercher la hache. I mean, I'm no softy or anything, but it feels excessive. Guard, come in. Nobody gets charged that day. Oh, you were at Jordan Cross's funeral, huh? Fire up, Will! Attendre que la première cible passe. What? Oh, you think he's fine? Et on s'en va.
défi réalisé qui consistait à... Alors bien sûr, il y a celui où il fallait se déguiser en épouvantail, mais on a assassiné deux cibles avec une seringue de poison mortel. L'assassinat a eu des témoins, votre déguisement a été compromis à chaque fois. On a fait en sorte de ne plus être compromis après chaque assassinat. Donc ça, c'était pour les assassinats donc par empoisonnement. Et ça crie et ça pleure, assassiner une cible avec un lancer de hache déguisé en épouvantail. L'assassinat doit avoir des témoins, votre déguisement doit être compromis et faites en sorte de ne plus être compromis sans changer de déguisement. Alors j'ai fait quelques essais, notamment juste avec la hache, et j'ai eu quelques soucis. Alors maintenant on va s'attaquer au dernier défi, savoir s'enflammer, qui consiste à éliminer 3 cibles en les brûlant et toujours déguisé en épouvantail selon les mêmes règles que précédemment. Pour réaliser ce dernier défi, on va se lancer dans la mission principale qui a lieu au Colorado avec 4 cibles. Donc il va falloir au moins en tuer 3 selon les conditions demandées. En termes de préparation, on va se mettre tout près de notre épouvantail. Et on va se mettre en objet de contrebande au niveau du réservoir à eau. Un fusil sniper. Alors prenez une arme silencieuse avec la meilleure lunette que vous avez. Voilà, c'est parti. Bien, tape donc le costume. Petit objet pour faire une diversion. Ça va nous permettre de prendre le costume normalement plus rapidement. Hop, hop. What? Vite, on se tire. Passe. Ensuite, direction le réservoir d'eau pour le fusil sniper. Alors pour l'instant, vous voyez peut-être pas de rapport avec le défi. Et vous allez comprendre. Attention, là, il y a un garde qui arrive. C'est bon, j'ai eu peur. Voilà, on a notre fusil. Ensuite, il va falloir tirer dans des cloches dans l'ordre très précis dans lequel je le fais. Il y a une cloche, la maison là-haut. C'est ça qu'il vous faut, notre lunette, parce que les tirs sont quand même loin. La troisième et la quatrième ici, qui est pas facile à voir avec l'effet du soleil, mais visez le poteau téléphonique électrique ici, là, et vous avez la dernière. Voilà, et vous avez peut-être entendu le bruit d'une flamme très très léger. Et regardez, les gens se mettent à brûler tout seuls. What? Everything will be fine. Voilà, lui aussi. C'est l'une des spécificités du jeu, c'est un autre défi, mais qu'on va utiliser pour réaliser ce tout nouveau défi. Voilà, tout le monde est mort, brûlé. Direction une cible maintenant. That is Penelope Graves, acclaimed anti-terror analyst. Strange to see her. What are you doing? Sorry. Graves is down. Excellent work, 47. Direction seconde cible. Yeah, we need some security and paramedics here.
That is Maya Parvati, Sri Lankan assassin turned pirate turned insurgent. Oh shit! Maya Parvati is down. Good work. That is Sean Rose, terrorist turned insurgent. Sean Rose confirmed down. Nicely done, 47. Et voilà. Alors vraiment, vraiment pas facile. Voilà tous les défis débloqués. En 904, on débloque le dernier. Alors, au besoin, si je peux vous donner un petit conseil pour ce dernier défi, savoir s'enflammer, ce que vous pouvez faire, c'est que vous créez un contrat avec trois cibles où vous avez toujours deux personnes l'une à côté de l'autre. Comme ça, vous enflammez l'une, l'autre vous repère, et ça sera peut-être plus facile que les cibles principales qui sont un petit peu à chaque bout de la map, ce qui est toujours un petit peu scabreux à faire. Alors également, j'en ai pas parlé, mais on a débloqué une nouvelle arme, le TAC-4 SA Jungle, qu'on va retrouver dans notre inventaire ici, fusil mitrailleur équipé d'un silencieux. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aidera à réaliser ces défis qui, pour ma part, m'a pas trop plu. Moi, j'aime mieux quand c'est du silencieux pur et dur. Le fait de devoir tuer des gens et de se faire repérer, moi, c'est pas ma tasse de thé.